Salut les amis, on se retrouve sur la chaîne Passion Téton. Salut, c'est moi. Aujourd'hui, on a notre ami Antoine qui vient nous présenter sa Ford Focus ST. Voilà, on te laisse nous dire deux, trois mots sur ta jolie auto. C'est une jolie Ford Focus ST Phase 2 de 2009. Ouais, 2009. MK2. Qui totalise 140 000 km au compteur. Ouais. Encore. Tu l'avais acheté à combien? 129. 129. J'ai fait 11 000. Ça va, et ça fait combien de temps que tu l'as? À peine un an. Ah, ça t'a bien roulé quand même. Ça fait un an. Ouais, mais remarque moi, tu vois, la mienne, je l'ai acheté en juin. J'ai fait 26 000 bornes depuis. Mais c'est bien. Enfin, toi, t'en fais beaucoup. Ouais, mais après, il faut la rouler, sa voiture. J'ai beaucoup de panne aussi, c'est pour ça. Aussi. Ok, après, du coup, c'est 5 cylindres, donc... De lutte 5 cylindres. Voilà. Putain, c'est comme la tienne. Bah oui, comme la tienne, mais c'est le même modèle, de toute façon. Non, ça, c'est une phase 1. C'est ça, moi, c'est une phase 1, et là, c'est une phase 2, du coup. Ouais. C'est le même bloc que les RS3. Elle est d'origine? Non. Non. Alors, dis-nous, qu'est-ce que t'as fait dessus, du coup? D'origine, non. Déjà, j'ai commencé par disque avant arrière Brembo. Ouais. Ouais. Déjà, pour améliorer le freinage, parce que bon. T'as commencé d'abord par le freinage avant d'attaquer de faire la prépa moteur? Non, ça, je l'ai fait en dernier, les disques. J'ai attendu que ça s'use et je les ai changés. C'est du combien de diamètre là-dessus là? Ça fait de sacrés morceaux de disque. Exactement, je m'en rappelle plus. Ouais. Mais je les ai pris percés, au moins ça refroidit mieux. Je l'ai senti quand même la différence. Ouais, tu sens la différence? Ça a fait du bien. Ah, tu m'étonnes quand même. Sympa. Du coup, les jantes, t'es en 19? 19, 225, 35, 19. Ouais. Ok, après, tu as fait quoi, du coup? Bah après, il y a toute la ligne d'échappement Toyo Sport avec le Decata. Ouais. Decata, ouais. Et après, c'est. Je vais te montrer, je vais ouvrir le capot. Allez. Ah putain, il s'ouvre comme ça le capot là-dessus. C'est marrant, hein, ces capots qui s'ouvrent comme ça. Ouais, c'est grave. Et c'est original, ça change. Ouais. Enfin, ça change. Ça a été pensé avant, quoi. Donc il y a toutes les durées du turbo qui sont renforcées avec la boîte aérodynamique. Ok. Là qui n'est pas d'origine par rapport à tout ça. Après le petit truc en aluminium là, le petit tube. Ça après c'est plus pour l'esthétique. Ouais. Ouais. Et ça c'est... C'est l'hydro-dipping que tu as fait là-dessus? Ça ouais, il y a beaucoup de trucs, c'est tuyaux à l'intérieur aussi, il y en a pas mal qui ont été rajoutés. Ok. Parce qu'à la base c'était noir mais bon. Ouais. Oh, mais franchement c'est bien. Il y a l'échangeur gros débit. Je crois que c'est le RTEC. Ah oui, ok. Alors, on le voit un peu. Après il y a le stage 2. Donc là tout de suite elle doit développer à peu près 270-280. Ouais, t'as pas fait de passage au banc encore Non. Ah oui. Là, stage bientôt. 2, ouais, 200. Bientôt ça sera prévu comme ça. Ouais, ça devrait sortir à peu près 270. Je vais faire programmer au Copenbank. Environ. Donc elle devrait sortir à peu près 280-290. Ok. Ouais, ça devrait bien marcher là. Ah, c'est déjà, ça marche pas mal. Ça, pour doubler, c'est tu galères pas. C'est par rapport à ce moteur de litre 5, c'est très costaud. J'ai jamais eu de soucis. Ouais. Bah, de toute façon, ça, c'est des moteurs qui. Bah, maintenant, déjà, t'en verras plus. Et, c'est ça. Et ils ont toujours été réputés pour être sacrément fiables. Je veux dire, c'est pas un moteur THP, tu vois. Non. Faut pas acheter THP. C'est pas un moteur de merde. Non, et puis bon, j'ai fait un entretien, donc dessus il y a la courroie de district, il y a l'alternateur, il y a toutes les courroies. Ouais. Ouais. La vidange, bah, elle est en 11 000, là il faut que je la fasse d'ailleurs. Tu fais tout toi-même ou tu le fais faire chez les pros Non, je le fais faire à mon oncle qui est carrossier. Ouais. Oh putain, ouais, c'est ah, nickel, quand tu connais du monde, de toute façon, franchement. Bah, c'est déjà, ça fait marcher des mecs parce que tu connais. Le prix de l'entretien en garage. Ouais, t'inquiète, tu connais, ouais. J'ai pas trop envie de payer, mais. En noir c'est pas mal, mais par contre qu'est-ce que c'est salissant du coup? Ah bah le noir de toute façon... Noir, la moindre saleté tu vas l'avoir, la moindre rayure c'est pareil. C'est une des couleurs la plus dure à entretenir le noir. C'est ça. Ouais, ouais. Mais après c'est sympa, enfin, ça fait noir, ça fait quand même plus agressif. C'est joli, sympa. Mais bon après si j'ai quelques projets dessus qui vont bientôt se faire, je vais lui donner un coup de polish sur toute la voiture en intégrale. Ouais. Avec de la cire, je vais refaire des jantes. Tu veux faire une céramique? Ouais. Ouais, j'ai pas envie de me faire chier là. Ouais, il y a un mec qui l'a fait là il y a pas longtemps, mais sur une 208 aussi. Il est dans le groupe, là, les lapins des montagnes, et il l'a mis l'autre fois, ouais, et apparemment... De quoi? Celui qui avait la Destro? Non, celui qui a la... il a une 208, c'est une GT Line, je crois qu'il a fait pas mal de frais dessus, là. Ouais. Et franchement, il a fait une céramique dessus, apparemment, il en est super content. Bah, il n'y a rien qui accroche dessus, quoi. Ouais, c'est mais après, bien ça. Pas, ça tient longtemps, ça, ou pas? J'y connais pas... Je sais pas combien de temps ça tient, mais... Ouais, ça peut durer 6 mois, un an, jusqu'à un an. Ouais. Jusqu'à un an, ouais, et après, t'es obligé de le refaire.
Sinon, ça peut durer 3 jours si tu utilises un shampoing agressif, quoi. Ouais, ça dépend ce que tu prends aussi. Mais pareil, je vais faire faire toutes les jambes parce que bon, je l'ai acheté, c'était déjà un petit peu comme ça. Ouais. Je l'avoue, j'ai mordu quelques trottoirs. Ouais, bah ça après, je veux dire, de toute façon, c'est. Regarde, Ben, quand il a acheté la sienne, il a fait quoi? On va se garer dans un putain de parking souterrain. Et ben, il est pas passé. Moi, je suis passé nickel. Là, pas ça, les jantes, au lieu d'être noires, elles sont devenues blanches. Ouais. Non, ouais, elles sont un peu abîmées, mais bon, après, c'est pas. Mais encore, ça va, je trouve, il n'y a pas de mal. Franchement, il n'y a pas trop de mal. Ouais, ouais, c'est, tu vois, vers le liseré, là où ça va. Oui, c'est un peu ça, mais je préfère la faire comme il faut. Ah oui, oui. Ouais, bah, après, si tu veux que ça soit nickel. Non, franchement, elle est bien sympa. Ouais. Du coup, l'arrière de la voiture. Moi, j'aime bien ce petit béquet, c'est joli. C'est bibiche. Non, franchement, c'est bien sympa. Il y en a qui mettent le béquet de RS dessus. Ouais. J'en ai déjà vu des comme ça. Et c'est, après, c'est, comme ça, c'est bien aussi. Comme ça, c'est sobre. C'est sobre. Sobre efficace, comme on dit. Ouais, ils mettent le béquet et puis le diffuseur de la RS aussi. Ouais. J'ai ouais. hésité à le mettre, mais bon, en fait, à la parce longue, que je suis pas et je trouve pas ça. Toi, du coup, après, c'est d'origine là Le diffuseur, non. Après, bon, il est juste imitation carbone, mais sinon, ouais. C'est celui d'origine, ouais. Mais c'est sympa, c'est bien fait. C'est même pas du coring, c'est de l'hydro-dipping, ça, ouais. Vu comme c'est bien fait, je pense que, ouais. Du coup, non, ouais. Vraiment sympa. Moi j'aime bien la forme de ces voitures, c'est pour ça que j'en ai acheté une. D'ailleurs. Mais d'ailleurs, en trois portes comme ça, c'est. Enfin, moi je sais que j'aime pas les voitures 5 portes déjà. Tu sais, ça fait moins le côté sportif. Ouais, ça fait moins sportif. Ouais. Donc toi, c'est les sièges Recaro. D'origine. En tout cas, on voit que t'es maniaque. On voit que le mec est maniaque, mais qu'elle est nickel la voiture. Elle sort de concession. Elle est propre. Bon, franchement, elle est impeccable. Putain, t'as pas un brin de saleté. Ça fait plaisir de voir des mecs qui prennent soin de leur bagnole. Non, franchement, elle est vraiment, vraiment super jolie. Je pense que tu dois vraiment te faire plaisir avec une voiture comme ça. Ah, c'est ma voiture toujours, mais c'est, je me fais plaisir. Ouais, tu l'utilises. J'en profite, voilà. C'est pour ça que j'entretiens et tout, ça lave. Donc les sièges. Hop. Recaro, mon ami. Je suis très confortable. Ouais, ils sont pas mal ces sièges. Franchement, pour être monté à côté de toi, elle est. Pas dessus. Ouais. Du coup, c'est des 4 places. 5. Toi, c'est 5 places. Ouais. Ah, et toi, Ben, la phase 1, moi, c'est 4 places. Une 4 places ouais. Ah. Bon, après, tu peux toujours te foutre au milieu, mais bon, t'as pas de ceinture. Quoi. T'as un espèce de réhausseur qui te rentre dans le fion. C'est ça. Du coup, toi, t'as changé l'autoradio aussi. Ouais, c'est pas l'autoradio d'origine. Là, c'est. Bah, il fait les toutes options. DVD, Oh, il y a un truc qu'il faut que tu nous montres aussi. Wi-Fi. Je sais que t'as. Il a une surprise. Dans le coffre, il y a une grosse surprise, je sais, moi. On va regarder ça alors. Oui. On le regarde juste après. On finit avec l'intérieur. Et du coup, t'as quoi comme option là? T'as les sièges chauffants? Là, j'ai les sièges chauffants. Ouais. Comme tu le vois là-bas, juste en haut du pommeau. Ouais. Après, j'ai le pare-brise chauffant aussi à l'avant, qui est pas d'origine. Ok. C'est, vu que c'est une allemande, bah, c'est une option. Ouais. D'accord. Et après, bah, c'est. Ouais, j'en ai pas plus, j'ai ces deux là. C'est une boîte 6. Et après, là, les. L'imitation carbone, ça y était ou c'est. Non, ça a été rajouté, c'est pas d'origine. Ça rend bien ça. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Et puis le 5 cylindres, c'est quand même un plaisir. Ouais. C'est un son magique, le 5 cylindres quand même. Ça fait une sacrée sonorité, franchement. Même d'origine, toi, je trouve qu'elle fait vraiment elle fait un chouette son. Mm. Ça fait un bruit de 5 cylindres. C'est ça qui est bien avec cette voiture. Un peu mieux, moi, parce que j'ai la boîte air, j'ai le stage, j'ai toute la ligne. Ouais, c'est ça. Bah, t'as tout ce qui suit, donc forcément. Moi, je suis pété, putain, Ah, c'est gros quand même, ça fait un sacré morceau de machin. Bon, après, je le dis, je suis pas en mécanique, moi, j'y connais quasiment rien. Ah, les gros, ça boîte air. Si ce n'est dire pas grand chose. Ouais. Mais franchement, c'est sympa. Après, ça y fait rien. Ouais. Mais là, une fois que t'as la reprogrammation, vu que ça respire mieux, à l'origine, ça a tendance à se resserrer un peu. Ouais. Mais c'est pas bon. Alors que là t'as tout qui suit. En fait, faut avoir le truc, la préparation complète pour que ce soit efficace. Du moment où tu commences à préparer, ouais, une fois que tu commences à préparer, faut que ça suive. Après, c'est sûr, d'origine, ça sert à rien de changer. Parce que là, avec la puissance, ça respire. Non, il faut pas que ça vienne refermer l'air du. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, parce que si t'as un gros diamètre et qu'après ça vient chicaner le bordel, forcément, ça doit pas être que bénéfique à mon avis. Tu l'entends quand j'accélère. Ouais. Ouais. On entend bien. Non, franchement. Ouais, il y a du travail de fait quand même sur cette voiture. Non, franchement, il y a un peu de boulot. Bah, je pense au total, il doit y en avoir pour pas mal d'argent, je pense. Il y en a pour des sous. Ça, c'est sûr. Bon, après, comme on dit, quand on aime, on compte pas. C'est ça. C'est ça. C'est comme les femmes, c'est pareil. Quand on aime, on compte pas. Bon, des fois, faut compter un peu quand même. Parce un peu. En plus, avec le paysage qui va bien, tu vois, la seule épreuve. Regarde.
cette épingle là. Est-ce que vous reconnaissez là? On dit rien, s'il y en a qui connaissent cette épingle, ouais. Mettez-le en commentaire. Normalement, il y en a quelques-uns qui devraient connaître l'endroit. Normalement, si vous connaissez un peu je la région. Je pense que ça se passe au frein à main, tu vois. Il y a quelque chose à faire ici. Bon téton, la surprise. Ouais, Antoine t'entends. Il m'a dit qu'il avait une surprise dans le coffre, alors. Je te laisse ouvrir. Ouais, il me laisse ouvrir. Ah moi, je veux voir la surprise, moi. Putain, on se croira à Noël, regarde, il y a des petites cases, c'est un calendrier de l'avant. C'est un vrai petit calendrier de l'avant au final. C'est vraiment super génial. Putain, qu'est-ce qu'il y a? Ça s'ouvre comme ça? Ouais. Oh, de Dieu, mon Seigneur. Oh putain. Les bons caissons, là. Là, j'ai ouvert le 24 décembre, j'ouvre le 25. Ah non, ça c'est Michelin. Bonjour, oh les lingettes. Ouais, pour s'essuyer les fesses au cas où. Putain, mais c'est hyper pratique ça. Et c'est, et franchement, c'est bien ouais. Fait. Hein. Oh. Putain, ça doit cracher du son, mon copain. Ah, je l'ai pas réglé comme il faut encore, mais ça crache. Oh putain, c'est quoi? Ah, c'est du noce, une bonbonne de noce. Putain, c'est quoi, gros? C'est la batterie. Pour pas que ça m'use la batterie de la voiture. Ah ouais. Là, c'est une deuxième exprès pour ça. Qu'est-ce ah ouais. Qu'elle est belle! Mais c'est magnifique! On dirait. Tu l'as pas en bleu, ça fait une bouteille de noce, mec! Ça fait bien intégré. C'est bien rajouté. Putain! C'est comme ça, la voiture dans le coffre, c'est vraiment... Ah, c'est bien fait! Hein. Ah ouais, franchement, c'est trop beau! Ah, c'est une voiture comme ça, faut faire comme il faut. Ouais, ouais. Pas que ça approche derrière. Ah, c'est bien fait! Ouais. C'est pourtant, sympa, sympathique. C'est le truc où je suis pas forcément fan, tu vois, des caissons et tout, mais là, regarde, c'est tellement propre et bien fait en fait que. C'est bien fait, ouais. Là. Que c'est trop beau. ESP off, ça c'est très important. Toujours. Donc là t'as environ 280 chevaux là-dedans là. Environ entre 270 et 280. Déjà je trouve que celle d'origine elle fait 225 chevaux, celle de Ben, je trouve qu'elle marche pas mal. Ouais. Alors là. Ça marche et puis ça pète là. Ça marche, ça pète, ça. Putain, t'as le turbo qui déclenche direct. Ouais.
Ouais. Comme ça, ah ouais. Sans prémir. Ah ouais, ouais. Le turbo, il répond direct. Après, c'est sûr qu'il faut des bons freins parce que pour la freiner la voiture aussi, là. Voilà, c'est pour ça que je les ai changés. Ouais. Là, on est 4 bonhommes dedans. Ouais. Tu dois avoir une tonne 8 presque. Bon les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci les amis, merci surtout à Antoine de nous avoir présenté sa superbe Focus ST. Merci à toi Antoine, c'était un plaisir de pouvoir monter dans cette voiture. Agréablement surpris par déjà la tenue de route, la puissance que ça développe. Pour selon qu'on était 4 bonhommes dans la bagnole, vraiment. La bagnole fait déjà 1 tonne 5. Ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment fort. Niveau qualité-prix, c'est vraiment une super caisse. Qualité-prix, je pense que c'est une bonne caisse. Pour c'est à peu près 12 000 euros. Ouais, on en trouve à 12-13 000 euros. Ouais, 12-13 000 euros avec 130-140 000 bornes à peu près, voire un peu moins. Il y a un peu de tout, mais bon, c'est vrai franchement, c'est pas excessif pour ce que franchement, celui qui veut se faire plaisir, qui a aussi envie de préparer une voiture et qui a pas forcément envie d'y mettre des 100 et des 1000, je pense que c'est le bon compromis. Et le 5 cylindres est magnifique. Et le 5 cylindres, on va se l'avouer, vraiment. Il fait une sonorité de dingue déjà d'origine, mais en plus avec la ligne, c'est un régal. C'est parfait. Donc je pense qu'Antoine, tu dois vraiment te faire plaisir avec cette caisse. Et merci à toi d'être venu. Et puis, de rien, merci plaisir. Oh, une Clio RS sauvage qui arrive. Oh, regarde, elle est chouette, hein? Nom de Dieu. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Passion et Téton, la chaîne YouTube, sur nos réseaux respectifs, Téton Farci sur TikTok et sur Instagram. Et notre homme derrière la caméra que je vous présente tout de suite. Passion Car France. Voilà. Passion vous êtes France. De plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, donc merci beaucoup. Et puis c'est que le début, les amis. C'est que le début. On va faire pas mal d'autres petites choses. Et bon bah voilà. Sur ce, passez une bonne journée et à bientôt.